Trop trop bien. Vous avez commencé à stream à 17h, c'est ça? Ouais, 17h15, parce qu'en fait, ça a été la galère, parce que CTR marchait pas. Et CTR marche toujours pas, d'ailleurs. Ouais. Enfin, on sait pas, peut-être. Je sais pas ce qu'ils veulent, en fait. PlayStation, hein. On n'a pas les infos. Émulateur PlayStation, hein, qu'est-ce que je te dis? Coup, non, c'est pas seulement émulateur PlayStation. C'est les indications qui étaient pas très claires. On verra bien. Surtout ça qui a posé problème, on va dire. De toute façon, je vais attendre quand même un petit peu la fin de la semaine. Mais non, pour me lancer dans les jeux. Non, mais en fait, il y a des jeux qu'il va falloir... Non, c'est vrai que je pourrais installer CTR. Mais pour les jeux que pour les jeux à acheter, j'attendrai la paix. Ouais, si tu veux, il y a déjà trois jeux que tu peux faire. Ouais, c'est vrai. Mais les trois sont peut-être sympas, plus. Je trouve. Peut-être plus d'ailleurs en fonction des jeux que j'ai déjà. Non, en fait, il y en a pas que j'ai plus. Je dois voir Céleste en fait. Mais est-ce que j'ai envie de me lancer dans Céleste? Non. j'ai quand même vérifié mes allégations. Donc ça commence par un C. Il faut que j'aille à C. Ah mais je suis con parce que je suis pas le bon. Céleste, effectivement, je l'ai. Donc voilà, je pourrais l'installer. Oh, qu'est-ce que je me sens fâche. Fatch! J'essaierai de passer. Fatch! 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 Ça veut fatch. Dire, mec, qu'est-ce que tu cherches une explication? LG? Ou quelqu'un d'autre qui est dispo? Je suis pas dispo. Enfin, t'es pas dispo? Bah non, je suis en train de faire un run. Ça dépend de ce que tu veux faire en vrai. Quelqu'un qui veut regarder si il comprend un petit peu ce qui se passe là-dedans. Là. Tu peux regarder après. Tu veux regarder où? Il me reste 6-7 minutes de run. Vas-y, envoie. Je vous mets dans UD10 le 29 octobre. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe un peu plus? Ou pas? Est-ce que j'arrive à comprendre ce qui se passe? Bonne question. Par exemple. Alors, globalement, sur les deux premiers onglets, hein, parce que le reste va disparaître. Mais. Les deux premiers onglets. Présentation est en plate, hein, c'est ça. Bon. Médaille ultime, médaille en or, ok, d'accord. Alors déjà, la médaille ultime, c'est elle devrait ce être que verte. Faire. Déjà. Ouais, alors... j'avais pas de... Voilà, sur la couleur. Ah non, mais... comme des platines à la base. Et ça doit être vert. Mais ça, elle est plus bleue, tu vois, donc... On s'en fout, ça devrait être vert. Je suis désolé, hein, mais... C'est un truc qu'on fait où il y a des médailles comme ça, celle-là, elle est verte. Elle est verte. Bref, ça, c'est un choix artistique. Hop, la disque romain. Prends lui là. Faut des médailles par ça. Alors, question con, hein, parce que je vois qu'on a les onglets en bas, mais. Ouais. Pourquoi t'as des splits pour chaque split? Enfin, pourquoi t'as tous les splits en fait? Bah, le but c'est de faire avec tous les splits en fait. En gros, le but c'est de faire en sorte que chaque split tu puisses savoir, toi en rentrant les temps que t'as fait dessus, si t'es plutôt dans un délire où tu vas rentrer dans le tir S, A, B, C ou D,
enfin, il n'y a pas des tiers à baisser. Et du coup, comme ça, bah, tu peux savoir. C'est un petit peu comme des médailles que tu peux obtenir sur des splits au lieu d'obtenir sur le jeu en entier, en fait. Et, tu veux le faire par split peu... Ouais, je le fais par split, ouais. Oh, ouais, ça fait un manque. Non, mais mec, c'est des partiels, tu vois. Alors, excuse-moi, je vais le dire à mon niveau. Hein. Peut-être que pour d'autres, ce sera très bien. Mais tu te fais chier. Voilà. Je me fais pas comment, potentiellement. Ouais, mais après, s'il a envie de se faire chier, why not? Ouais, et je trouve écoute, ça, c'est, je trouve ça fun de faire l'idée. De... Moi... Non, mais tout à fait. Ouais, ouais, après, ouais. Comme je dis, hein, je vais parler en mon nom, hein, pas au nom de tout le monde. Après, alors, je trouve ça très fun. Ça fait un peu l'équivalent des partiels ou des secteurs en compétition. Et puis surtout, moi, j'imagine, moi en train de rentrer chaque split, c'est mort. Après, ouais, non, c'est mais, ça. Clairement. C'est ça aussi, tu vois. Tu me dis, par contre, t'as prévu un truc automatique. Bon, là, ailleurs, why not? Mais ouais, tout bah, ça à la main, chaque split va mourir, quoi. Enfin, là, désolé, hein, mais va mourir. La mérite d'être claire. Ouais, tiens d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait c'est où j'ai vu ça, là, c'est où j'ai vu ça. À mon niveau, en tout cas, ce sera inutile, ça c'est sûr. Je sais pas si vraiment des gens pourront y trouver une utilité. Enfin, je suis désolé de te dire ça. On verra ça. Mais... Moi je proposerai. En fait, oui. Moi, je vois surtout dans ma manière de m'entraîner, tu vois. Et perso, tu vois, je me dis, bah, si je m'entraîne sur un segment, j'aimerais bien savoir quel temps je fais sur le segment et à quoi je peux prétendre, tu vois, en fait, en faisant ce segment, tu vois, typiquement. Quel temps je vise pour pouvoir faire ce segment, du coup, quel strat j'ai potentiellement besoin ou pas besoin, tu vois, et voilà. Donc là, tous tes splits sont faits par rapport au split du record du monde. Ils sont faits par rapport au split du record du monde, ouais. Ouais, t'es encore plus taré que ce que je pensais. Bref. À la base, je voulais faire une médiane, une moyenne de split. Ça s'est calmé. Mais à la base, c'était ça. J'avoue que la médiane de split, c'est pas mal. Genre, par rapport à tous les gens qui ont proposé leur split, est-ce que je suis au-dessus de la moyenne, donc dans le haut du, dans la moitié haute des gens qui ont fait des bons temps, ou dans la moitié basse des gens qui ont fait des bons temps? Non, t'es dans la moitié haute, dans la moitié. Oh putain, moitié basse. Ah non, mais ça devient chiant. En fait, c'est la moitié haute de la moitié haute. Parce que je rappelle qu'il y a 4 parties. Donc t'as, là, t'as S, A, B, C. Si tu veux juste la moitié haute, t'es niqué. Ouais, c'est vrai, la moitié haute de la moitié haute. Ou la moitié basse de la moitié haute. Ouais, non, c'est. Le projet est complètement guetant. Bref, je proposerais ça, c'est faux. Nul à chier. Bah, je dis pas que c'est nul à chier, mais je dis que pour moi c'est mort. Voilà. Je ne ferai pas partie de ce délire là. Non, mais après, voilà, il y a peut-être que des gens qui sont férus de stats, ils vont adorer. Hein. Et non, mais voilà. Peut-être que KVP va tomber dedans, tu vois. Après, le problème étant que pour que ça ait une vraie valeur, il faut que les gens jouent le jeu. Parce que. Donc voilà. De quoi ? Pour que ça ait une vraie valeur, il faut que les gens jouent le jeu, en fait, pour que les gens rentrent leur split, quoi. Ouais, 7 minutes 55, là. Enfin, le sub 8. Mais tu vois, à la rigueur, tu te serais limité à un mode light, un mode dark. Voilà. Non, mais Amy, je comprends un petit peu le délire, parce que quand on a essayé de faire CNS avec Jolinou, avoir des temps de passage était peut-être pas mal. Surtout que Céleste c'est assez horrible, donc après je sais pas si ça marcherait sur tous les jeux, mais... Peut-être le plus intéressant pour le coup, Céleste. Après, bon... Bah alors je te le dis tout de suite, excuse-moi, mais... Tinykin, c'est mort. Ah, Tinykin, j'ai rien, de toute façon, voilà, malheureusement, c'est celui Non, mais je t'explique pourquoi. Techniquement, ton but, avant de finir le niveau, c'est de donner ta bulle. Enfin, c'est de récupérer ta bulle. Ce qui fait que t'as un speed de quoi... Allez...